Est-ce que vous en avez eu plein la face? Ouais! Je suis vraiment heureux que vous êtes encore là. J'ai eu peur que vous soyez plus là pour le... Les premiers gagnants de Metal Academy édition 1! Boukaki, qui avait flabbergasté les juges par leur look, leur attitude, le fait qu'ils pitchent une poupée gonflable dans la foule. Fait que le monde a le droit de la violer pis tout, pis c'est vraiment dégueulasse. Fait que... Je vous souhaite de survivre cet événement qui est un spectacle de Boukaki. Et si vous êtes sales, c'est pas de leur faute. Alors passez une très belle soirée en compagnie de Boukaki. We'll be right back.
Kaki qui n'a pas déjà été écrit dans le penthouse. Votre prochain album, vous pourriez l'appeler Envers et contre tous. Ou peut-être Less is More. Vous avez tout ce qu'il faut pour plaire. Des pitounes, Mario Bros qui se fait éventrer, Matt Paré. J'ai une amour et une haine particulière pour mon ami Gros Phil que j'ai rencontré ce soir. Ma haine, c'est que t'as détruit le restant d'oreille gauche qui me restait. L'amour, c'est que t'es le gars le plus drôle que j'ai rencontré au mois d'août 2011. Merci. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Matt d'avoir fait vivre cette expérience sensorielle extraordinaire. Big up pour toutes les bandes à soir. Sérieux, là. Vous êtes fucking forts. Bukaki, je vous ferais gagner, mais ce serait pas juste. Vous avez joué 45 minutes de plus que tout le monde. Vous avez déjà gagné dans le cœur de tout le monde ici, à soir. Okay. Ben moi, j'ai gagné de vous avoir connu pour la première fois à soir. Là, je sais pas, les gars, vous êtes fous raides. On aime ça de même. All right, les boys. Oui, exactement. C'était vraiment intense. Premièrement, j'ai trouvé finalement le cadeau de Noël à ma grand-mère. Votre album, ça, c'est sûr. Puis c'est sûr, Cannibal Corpse peut aller se coucher, ça c'est sûr, parce que vous êtes gore en esti, puis écoutez, vous avez blasté ça ben raide dans mes oreilles, bravo, ça bûcherait en tabarnak. Merci de m'avoir invité à Paris, c'était Christmas, le petit party à soir, j'ai jamais vu ça au Café Chaos, c'est le petit débandable de même. Tabarnak, ça n'a pas d'allure, mais j'ai ri en calice, merci beaucoup. Puis, je pense que tout le monde dit que c'est fait du fun à soir. Là, fait que, c'est un esti de party. Bukaki, c'est écœurant, esti. Sortez un album, on va avoir un album de vous autres, au tabarnak. Non, mais un album complet de Paris, là. Il a pas joué là-dessus, Paris, lui. T'as joué là-dessus? Ah, pourquoi tu ne l'as pas donné, esti? Bon, ben, je vais te payer pour te l'acheter de bon, regardez-moi. Bon, c'est le temps de blaster cette bande-là! Franchement, on n'entendait rien, c'était du chiard. Le sweep, c'est de la merde. La baisse a des drôles de sons. Le drummer, il est pas pire quand il joue pas. On parlera pas de Paris, ce gars-là, s'il n'y avait pas de télé, son band, ça soquerait un peu. Mais vraiment, honnêtement, le clou du spectacle, c'est sûrement pas le chanteur. Honnêtement, le look, garde. Il se met des petites affaires, des petites manches de tapette. Toute la bande est en running, mais monsieur, il porte des bottes parce qu'il est trop death metal. On comprend rien de ce qu'il dit, ça paraît qu'il dit pas un esti de mot. Puis il cope des fois quand il chante.
Suck la marde. Une chance qu'il y avait des plots pis Mario Bros dans ce show-là. C'était un fail. Est-ce que tout le monde voulait m'entendre dire ça de moi en tabarnak? En plus, il y avait un gros cul. Lui pis le BC, s'il doit fourrer. Hey, merci tout le monde! OK, ben là, j'ai parlé avec les juges pendant une demi-seconde, ça n'a pas paru. Et il faut annoncer un gagnant du spectacle. Le gagnant du spectacle, c'est le skieur fluo! Le skieur fluo, il est où? Skieur fluo. Alors, on m'annonce que le skieur fluo ne peut pas être disponible et qu'il est chez lui. Skieur fluo, où es-tu? Skieur fluo. C'est moi qui ai gagné le Metal Academy 2011. Je suis vraiment content, c'est vraiment capoté. Mais là, je peux pas réclamer mon prix à soir parce que ben là, je suis pas là, je suis perdu dans la forêt. Oups. C'est ça, fait que je suis vraiment content. Fait que j'espère que mon trophée, en fait, ça va être genre un devil qui sort de la plot d'Amy Winehouse. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont voté pour moi. C'est vraiment capoté. J'espère qu'on se voit demain au Café K.O. pour le show de King Kuna. Ça a l'air que j'ai gagné ça aussi. Je peux voir.